Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 11e épisode de mon Let's Play découverte sur le jeu Anno 2070. Et voilà, je vous avais dit que je ferais le monument en hors-champ, et ben il est fini. Le centre de loisirs. Bon, par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il est extrêmement énergivore, extrêmement pas du tout écologique. Ah, ça remonte quand même. Donc au final, j'ai une écologie de fou. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord, en fait, c'est qu'à chaque palier, à chaque fois que je réalisais un palier, déjà, ça me bouffait énormément de ressources. Et en plus de ça, tout d'un coup, à chaque fois qu'on changeait de palier, il y avait un coût énergétique qui augmentait encore. Et en même temps, l'écologie qui était encore pire. À chaque fois, c'était... à la fin, on était descendu, c'était à moins 180. Donc, évidemment, au bon moment, il y a ma population qui a eu la bonne idée de me dresser un ultimatum, hein, pour que ça soit drôle. Eh, il manque... Il te manque des légumes? Tu ne veux pas produire. Peut-être qu'il manque des légumes partout. Alors, attendez. Que j'ai peut-être des problèmes à régler, non? Parce que du coup, j'ai appuyé sur le bouton plus pendant très, 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 très longtemps. Et je sais pas du tout ce que ça m'a donné. Bah au final, j'ai tout qui est à fond, sauf les pâtes. On va régler le problème des pâtes. Hein. Je vous propose qu'on règle le problème des pâtes avant toute chose. Donc les pastas. Les pastas qui manquent... Bah il manque des pâtes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé de plus produire? Il vous manque peut-être du blé. Non, ça a l'air d'aller. Je vais peut-être produire plus de blé. Alors par contre, du coup, ce qu'on va faire... J'avais pas un vaisseau amiral de la mort qui tue qui traînait dans le coin? Où est mon superbe trimaran? Non, bon, il y a zéro, c'est pas grave. Allez, viens par là. Donc vous avez vu, j'ai mis énormément de trucs pour l'énergie. 4 tours solaires. Bon, évidemment, je suis faible excédent énergétique parce que comme ils m'ont posé un ultimatum, eh ben, du coup, ils m'ont demandé de remonter à 150 hein, en bilan écologique. Du coup, j'ai dû poser deux nouveaux trucs d'ozone. Pour que ça soit drôle. En plus de ça, j'ai dû poser des postes de police, des verres, trucs de pompiers, tout ça pour les catastrophes. Bref, ça a été un peu laborieux, mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, ça a été un peu long. Donc, on va embarquer des ressources. Non, pas autant peut-être. Bon, le fait est que sur cette île, il y a énormément de ressources et j'en suis plutôt content. Donc on va pouvoir aller là-bas. Si vous ne nous prenez pas au sérieux, vous n'aurez pas de seconde chance. Quoi? Vous menacez de soulèvement si vous... Il faut passer à 75 en énergie et tenir 5 minutes. Mais arrêtez de me casser les pieds. Mais vous êtes... Bande d'ingrats quoi. Et 5, c'est 5 positifs en énergie. C'est pas comme s'il y avait... Il y avait des pénuries d'électricité tout le temps, quoi. Oh la vache. Bon alors, attendez, ce qu'on va faire, plutôt. Alimentation en énergie inadéquate. Oui, chut. Je vais mettre des parcs éoliens, parce qu'évidemment, j'ai plus la place pour faire autre chose que des parcs éoliens offshore. Bon, ça y est. Je suis passé à 85, ça a intérêt à rester là. Oh là là, bande d'ingrats. La place... Alors... Bon, pâtes. Il me faut du blé, il me faut des dépôts. On va augmenter cette production de pâtes à mort. On va bien l'augmenter. Alors d'un côté il me faut du blé, de l'autre côté il me faut de la... Toc, je vais faire la production de blé ici. Il va falloir une troisième peut-être. Production de légumes. Énergie inadéquate. Ah, pas assez d'énergie. Voilà, assez d'énergie. Toc, on va pour tout relier. Bilan écologique. Les valeurs plongent. Oui, je sais. Évidemment, ça, ils n'aiment pas pour l'écologie. Arrêt complet de la production. Et ensuite, les... Fabricant. Je sais pas s'il y aura pas assez de... Bon, 4 sur 5, c'est pas très grave.
D'autant plus que... Mais on peut en mettre un cinquième, mais il est nul. Il est super nul, ce jeu. Voilà. Hop. Donc, les minoteries, il faut les lancer. Donc, il faut un autre dernier dépôt. Je pense que je vais faire un bon paquet de blé ici. Évidemment, j'ai plus assez d'outils. On va aller chercher des outils. Je vous jure, c'est pas la panacée hein, de s'occuper de cette bande d'ingrats. Hop. Voilà. Heureusement que j'ai des ressources, du coup, grâce au fait que j'ai attendu pendant très longtemps. Ah non, c'est pas le bon bateau. Hop. Capacité atteinte. On va mettre par ici. Il me faut du blé. Trois trucs de blé. Je les ai posés un peu à l'arrache, mais bon. Là, j'ai de la place et j'ai pas franchement envie de m'y éterniser. On va faire ça vite. Voilà, donc là normalement c'est bon. Pas assez de pattes, je sais. On va améliorer les bâtiments. Ça produit pas assez ici? Ah, là normalement ça devrait produire assez. Avec tout le blé qui passe. Vraiment, j'arrive pas à le croire. D'accord, je m'occupe bien de la population, je sais. Quand même. Et ils me le rendent pas, hein, c'est ça qui est chiant. Donc, allez, c'est parti, on va utiliser ce bâtiment, ce méga bâtiment pour... on va faire pas des routes, un boulevard plutôt. Ce superbe bâtiment qui est censé, je dis bien censé, réaliser tous les bâtiments publics en même temps. C'est-à-dire que c'est un gros gros bâtiment public en fait. Par contre, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. On va essayer comme ça. Ah oui, mais... Est-ce que la technique fonctionne bien? Alors, c'est pas ça que je cherche. Attendez, on va tourner le truc, je vais zoomer un peu. Une procédure méticuleuse et une surveillance continue. Manifestement, vous savez que c'est le seul moyen d'éviter les conséquences négatives inhérentes à la recherche. Ok, t'es content parce que je fais pas de recherche, ok, mais... Toi, t'as l'air d'être un gros terroriste. Je sais pas qui t'es, mais t'as l'air d'être un gros terroriste qui a peur de la recherche humaine. Bon, ok, les humains, ils sont capables de faire des trucs assez horribles au niveau de la recherche, mais quand même, on va pousser. Ouais, c'est bien ça, c'est censé être tous les bâtiments en même temps. Production interrompue. Plantation de thé. Oui, mais bon, c'est parce qu'il y a trop de trucs. D'ailleurs, ce que je vais faire... non, c'est pas là, c'est dépôt du port. Voilà, j'ai rajouté un peu de place. Normalement, ça devrait aller. Vous avez vu, même les transmetteurs, ils sont à fond. C'est ça qui est cool. Alors, je sais, j'ai vu des patrons sur le net concernant la disposition autour d'un monument tel que celui-ci, qui sert pour tous les bâtiments. Comme ça évite d'avoir à poser tous ces bâtiments-là, on peut se faire une sorte de quadrillage, pas vraiment un quadrillage, tout autour, où on met à des endroits des hubs où on a les différents bâtiments de type spécial, caserne de pompiers, hôpital et poste de police. Voilà, donc il y a des patrons sur le net, mais bon, on va faire sans patrons, on va faire sans tricher, je sais qu'ils existent par contre, si ça vous tente. Je sais qu'ils existent. Bon alors, là je suis en train d'exploser tous les matériaux de construction que j'avais. C'est pas grave. De toutes les manières, j'ai pas trop le choix. Je rappelle l'objectif, 2500 responsables. Et il y a fortement moyen qu'on l'ait peut-être dans cet épisode. Enfin, peut-être dans cet épisode. Dans cet épisode, ça devrait être un peu short quand même. Mais je pense que dans l'épisode prochain, il y a moyen. Sauf s'il y a des gros imprévus. Ce qui, me connaissant, est fort possible en fait. Allez, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va commencer à monter de niveau. Alors, avec tout ça. Avec tout ça, dites-moi que vous pouvez monter de niveau. D'accord, il monte pas encore de niveau là où je pensais, tiens.
Ah oui, mais du coup, je n'ai plus de matériaux de construction pour vous. C'est votre chance. Ah non, j'ai pas envie de prendre un navire. Pas. Allez, c'est parti, c'est en train de monter, c'est génial. Vous avez vu l'argent que j'ai en haut à gauche? 763 000. Heureusement que c'est un jeu facile, enfin, c'est une partie facile. C'est pas un jeu facile, c'est une partie facile. C'est dans le coin. Ah, voilà Trenchcoat. Besoin de mes services? Oui, j'ai besoin de toi, Trenchcoat. J'ai besoin... T'es où? Oh la vache, j'étais pas à côté par contre. J'ai besoin que tu me vendes des matériaux de construction parce que là, je crois que je vais être à court. Alors, combien on est de responsables? 1659. 1685. Ce que j'aimerais, c'est qu'on monte à... Bah, 2600, à 2500. Par contre, à la fin, on risque d'être à court de certaines ressources. Donc je pense que ça va être un truc genre à la fin on va bourriner rapidement sur la population et tant pis si ça va être en chute libre au niveau des ressources, au niveau des stocks. Parce que c'est certainement ce qui va se passer. C'est-à-dire j'ai tous mes stocks qui vont chuter. Mais bon, j'ai pas franchement trop le choix. Alors, il est bien arrivé? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Jetez un coup d'œil. OK. Je vais jeter tout ça. Pas de facture, pas de reçu, compris? D'accord. C'est pas très réglo à ce qu'il fait, je crois. Hein. Donc. Ça change de niveau, c'est très bien. Combien on a de responsables? 1737. Allez, c'est la fête. Avertissement. Production interrompue. Toc. Évidemment, il n'y a plus assez de... de ressources. Il est au mon 0. Allez, avec 80 de chaque. Voilà. Avec 80 de chaque, il y a moyen que ça augmente. 1800 et des patates. Il m'en faut encore, il m'en faut encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter. On va rajouter, je vais vraiment bourriner au niveau de la population. Histoire que... on y arrive d'un coup. Et comme ça, on pourra arrêter la partie. Et on aura réussi ce petit let's play découverte. Alors après, pour des parties continues, je vous déconseille de faire ça. C'est très très... c'est une très mauvaise idée. Parce que sinon, vous ne pourrez pas reprendre votre partie. Ou alors, une partie de votre population va s'en aller. Histoire que vos stocks puissent tenir le coup. Donc... c'est une très mauvaise idée, mais dans cette situation-là, elle passe. Parce que je sais que je vais pas reprendre la partie derrière, je veux juste faire l'objectif. Ok, plus assez de matériaux de construction. Yeah. Et oh. Bon, manque toujours des matériaux de construction. On va aller voir ailleurs. Je vais faire des emplettes. Ici aussi. J'ose pas trop regarder si les stocks tiennent au dépôt, c'est ça le truc. Dépôt. Oh. Tous mes stocks sont en train de tenir, sauf les boissons bio. Shit, les boissons bio, j'avais complètement oublié ce truc. Oh, oh la vache, zut. Oh la loose, j'ai complètement oublié les boissons bio. Eh merde. Bon, alors, des boissons bio, il en faut en urgence. Et mercredi... alimentation en énergie inadéquate. J'ai plus assez de ressources. Ah zut! Oh ça c'est con. Ça c'est abruti première classe. Je vous attendais. Si vous recherchez un peu de soutien, vous avez frappé à la bonne porte. Je crois que nous sommes... toi tu me balades tout ça... ici. Et toi aussi tu vas me balader les autres ressources. Ah mais t'es pas encore arrivé. Flûte. Alors attendez, on va regarder qu'est-ce qui manque comme ressources. Ici il me manque... alors du lait, j'en ai en assez grande quantité, donc c'est pas un problème. C'est les fruits qui me manquent. Et puis des usines du coup. Les fruits des usines, il me faut de l'énergie.
Ramène-toi. Bouge ton derrière. Ah mais je pense qu'il faudra plus de... de trucs que... juste des outils. Ah peut-être que j'aurai assez. Alors, il me faut des fruits. Il me faut des fruits. Espérons que ça va tenir le temps que je m'occupe de tout ça. Ah, il me faut du bois. Va me chercher du bois, s'il te plaît. Il me faut du bois. Là, c'en est où? 1997. Ah là là. Hop, je peux monter de niveau tout ça. Oh, 1997, c'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. Et voilà la boisson qui est descendue, mais à mort. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Du coup, ils vont descendre. Nous avons besoin de votre aide pour une quête spécifique. Non, mais j'ai pas envie. N'oubliez pas, nous comptons sur vous. J'ai pas envie, pas le moment. Je suis occupé à autre chose. Je suis occupé à vous sauver les miches. Donc, un, vous me laissez tranquille. Toc. On va prendre du verre. Je vous sauve les miches, ensuite on en reparle. N'oubliez pas, nous comptons sur vous. D'accord, il y a une quête ici. Apporter de livraison aux emplacements désignés. Ah d'accord. Faut juste aller chercher des trucs. Alors comme ça, vous n'avez vous pas... Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, je cherche des ressources. Vous savez y faire, un migrant. Extrêmement intéressant. Ok. Pour revenir avec tout ça. Oh là là, faut vite que je règle ce problème de boisson bio. Alors, des usines de boissons. Je vais quand même. Je vais en mettre une deuxième ici. Je vais quand même faire. Un impact environnemental négatif réduit la fertilité. Réduit à 98%, ça va. On peut d'ailleurs juste... non, mettre ça, une station, et puis ça ira bien. Je fais ça à l'arrache, mais en urgence. Bilan écologique. Les valeurs grimpent. Ok, c'est cool. Allez, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va vraiment tenir. Il faut une production accrue, s'il vous plaît. En gros, ça veut dire qu'il me faut énormément de fruits. Là, ça va. Ça augmente. On dirait que niveau fruits, ça va bien. Peut-être que j'en fasse un dernier. Je vais faire un dernier endroit où je mets des fruits. Toc, toc. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. En tout cas, je considère que ça va tenir. Et si ça tient pas, bah zut. Alors, attendez, où est-ce qu'en est mon... le reste de mes matériaux? J'ai trop de navires, c'est un truc de fou. Voilà. Avec tout ça, c'est bon. Donc... normalement, ça doit revenir. Bon, le mode de vie qui a légèrement des problèmes, étant donné que... il y a comme qui dirait beaucoup, beaucoup de nouveaux ingénieurs et de nouveaux responsables. Oh, je suis à 2101. 2101, il manque juste du verre, quoi. On va aller chercher du verre chez Yana Rodriguez. Je pense qu'on va faire ça. Et il y a moyen qu'on finisse... il me reste combien de temps? 20 secondes. Avertissement. Incendie détecté. Ah là 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 là, incendie. Ça me coûte pas de verre, nickel. Hop, truc d'incendie. Tous les incendies ont été éteints. Ok, c'est cool. Avez-vous besoin de l'aide d'Eden Initiative? Les meilleures ventes d'Eden ont du succès auprès des trafiquants. Tu me vends du verre.
J'ai besoin que tu vendes du verre, s'il te plaît. Alors, faut que j'aille chercher des... On va faire la quête en attendant. N'oubliez pas, nous comptons sur vous. Oui, je sais que tu comptes sur moi. Vous avez réussi à faire quelque chose. Vous avez réussi à faire quelque chose pour nous. Il faut que je les envoie où? Nos attributions consistent également à nous soutenir. D'accord. J'y vais. N'abandonnez pas, rien ne change. Ok, et l'autre? Ici? Quelque chose ici? Personne n'aurait fait mieux. Ok, 38 tonnes de carbone, mais sauf que ça me sert à rien le carbone, j'ai pas mis de tech. C'est les trucs de construction pour les tech, mais sauf que je m'en sers pas. Alors, il est arrivé mon bateau. Allez, montez de niveau maintenant. Ah, y'en a pas assez. Baisse générale de la santé de la population. Ah, santé. Où ça? D'accord, on va mettre un dépôt, histoire de... que je puisse construire le bâtiment. Ok. Normalement, il est relié. Ouais, il est relié. Ok. On va pouvoir mettre encore de la population. Voilà. On va pouvoir faire la même chose sur la longueur. Je vais jamais avoir assez de matériaux de construction, mais pas grave. Je vais essayer de finir le défi dans cet épisode. Quitte à faire un épisode plus long pour une fois, c'est le dernier défi. Tant que vous tenez les rênes, on n'a rien à craindre. Ouais, il y a l'hôpital quand même qui s'en occupe. Il y a quand même l'hôpital qui s'en occupe. Alors. Allez, on est presque. Il manque des modules de construction. Ah! Rufus, est-ce que tu m'en vends? L'administration vous beaucoup. A à l'œil. Ah là là, que j'en ai pas assez, c'est horrible. Et Trenchcoat, il en a je plus. Je connais. Il en a encore. Il se barre pas tout de suite, on va aller en chercher. Et Zéro, il va mettre tout ça, il va aller en chercher ailleurs. Est-ce que toi avez-vous tu en as? Oui, tu en as. Je suis vraiment à la recherche de matériaux de construction. Parce que ça coûte tellement, matériaux. 2179. Toc. Je suis certain que vous êtes la personne la mieux placée pour résoudre cette affaire. Ok. Non mais j'ai pas envie. J'espère que vous ne regretterez pas. J'ai pas envie. Alors, toi... Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Bah ça va, et toi? Je vous compte parmi mes clients fidèles. Ça, c'est le rush final. Il n'est pas encore arrivé, mon bateau? C'est un plaisir de faire affaire. Ah, attendez, je sais pas où j'envoie mes bateaux, là. Ça commence à être lourd. Les bateaux, c'est tabulation. La santé de la population est stabilisée. D'accord. Qu'y a-t-il? La compagnie veille sur ses amis. Global Trust Toc. Inc. est toujours là pour vous. Ok, lui il est là, je sais pas ce qu'il fait, il fait rien. Tu vas aller là. Ok, on va pouvoir accélérer un peu le temps. Vous avez un plan? Si ce n'est pas le cas, écoutez. Non, mais je suis occupé à autre chose. Donc... Tout est en haut, sauf le poisson qui descend. Je regarde un peu. Ouais, ça devrait passer. On a encore 200 tonnes, c'est large. Bon, d'accord. On est très très large. Ok. 2231. On y est bientôt. 2257. Bienvenue à... Ne touchez à rien, bien sûr. Toc. Toutes les technologies de SAAT. Alors comme ça, je vais encore devoir me consacrer à des questions d'organisation. Eh ouais. Alors, où sont les autres ressources? Spica qui arrive. Là là là. Vraiment le rush final. J'en ai encore pas assez. Bon.
La population. Et boum. Ne dites pas qu'il n'y en a pas assez là. J'ai mis tellement de maisons que ça commence à s'écrouler. Alors là c'est pas vide. Hop. Est-ce qu'il n'y aurait pas des matériaux de construction un peu partout? Pas assez de cuivre ici, c'est pas grave. File-moi tes matériaux de construction. Là je suis en train de tout prendre, je suis en train de piller mes propres îles. Il me faut tous les derniers matériaux qui me manquent. Toc. Ok, je pense qu'avec ça, on devrait arriver pour les derniers. Oh, dites-moi que ça passe. Où est-ce qu'il y a encore des matériaux de construction? Ici, on a 51. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a 55. Ok, je vais chercher les 55. Je suis vraiment à chercher le moindre matériau de construction disponible. C'est hallucinant. Il y en a sur cette île ou pas? Non, il n'y en a pas. Pas sur cette île. Sur ce truc sous-marin, là, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. On arrive à la fin. 2309, plus beaucoup. Avertissement. Arrêt complet de la production. Okay. Usine de puce. 1335. J'espère tellement que ça va passer. 387. On va aller chercher les matériaux. Ok. Peut-être en prendre encore un coup. Alors là, il y en a. Oh, je suis en train de tout prendre. C'est la débandade. C'est totalement la débandade. Allez hop, ressources. L'épisode final, j'ai envie de le finir en beauté. Avec un gros rush. Espérons que ça passe. Oh, 2439. J'y suis presque. J'y suis presque. Il reste rien ici. Ça arrive. Non, il est où mon bateau? Il est là. J'y suis presque. Je crois qu'il n'y en a pas, il y en a encore pas assez. Ah. Accélération du temps, 4065. Allez, 91. Dans mes pensées. Allez. Analyse terminée. Et c'est le GG. Et c'est le GG. Tous les objectifs ont été atteints. Félicitations. Et ben voilà. Bon, l'épisode a été un peu plus long que d'habitude, mais bon, voilà. C'était le dernier épisode. Je comptais de toute façon de faire une petite série. Et déjà que arriver à 11 épisodes, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais investir mes points de carrière. SAAT, j'aime bien SAAT. Alors, regardons un peu les stats. J'ai fait 98 580 en score en population, 178 423 en économie, 17 000 en militaire, 62 293 en développement. En total, j'ai 3 500. Ok, d'accord. Eh ben, dis donc. Ressources constituées, j'ai pas fait beaucoup de commerce.
Militaire, je vais avoir que dalle. Ouais, c'est ça. Graphique. Population totale. Voilà, on a un gros boom à la fin. De ce... Ça, c'est le gros rush de fin. Eh bah, dis donc. C'était plutôt cool. Classement. Alors, bah, je suis dans la gaussienne. Ça, c'est en fait mon classement par rapport au... aux personnes qui ont fait la mission. Le temps qu'ils ont mis. Alors, sachant que je sais absolument pas comment on fait pour avoir un temps pareil, là. Il doit y avoir des bugs. Ou en tout cas, ça cheat. Parce qu'il y a des trucs, c'est pas possible. Voilà, voilà. On a fini le plateau Jorgensen. Une mission facile qui vous montre bien qu'est-ce que c'est que Anno. Anno 2070 a quelques ajouts par rapport à la série des Anno de base. Mais, voilà, il vous montre très bien quel est le système de jeu, quelle est cette gestion. En même temps, il y a un peu de stratégie, mais là, j'ai pas fait de baston, il n'y a pas de... On peut faire de la conquête militaire, vous avez sans doute pu le voir, sauf que c'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est vraiment la gestion diplomatique et puis la gestion de vos îles, tout simplement. Voilà, voilà, donc j'ai fait un peu à l'arrache sur la fin, parce que je voulais le finir vite, pas forcément très bien, mais vite. Histoire de conclure rapidement ce let's play, je voulais pas qu'il s'éternise, parce que là, il y avait encore moyen qu'il s'éternise pas mal. Donc voilà, je l'ai conclu, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura incité à découvrir le jeu. N'hésitez pas à essayer Anno 1404, qui est vraiment très bon, qui ressemble vachement au 2070, sauf que, évidemment, c'est pas la même époque. Je vous invite aussi à regarder un peu des vidéos de Anno 2000... C'est 2205, je crois, et pas 2235. Le prochain Anno, que je vais bien sûr précommander en édition collector, hein, comme pour celui-là, parce que, voilà, grand fan. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager le let's play, à partager la vidéo, à partager la chaîne, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours, et non pas 3, pour un nouveau let's play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.